Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour un nouvel épisode du Son Bébé Challenge. Je sais plus du tout où on en est. Je sais juste que Clara est morte et ça c'est triste. C'est triste, j'ai dit pleurer. Oh, l'anniversaire d'Alexis da Silva. Bon bah écoutez, on va le faire vieillir, hein. Oh mon dieu, il est sale, il est moche, il est chiant. Pauvre gosse. Alors, changer d'âge. Du coup, Kéraline est en train de dormir, je voulais relooker... Mais Seb, je t'ai dit d'aller manger, là, il est minuit, là, n'importe quoi. Je voulais relooker Seb parce que c'est pas possible cette tenue. Je vais faire ça. Ah, elle grandit. Alors. Brrrrup. Ah bah oui, bah là j'étais un peu trop en bas. Brrrrup. Petit génie et... Gna 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 gna, hop. Sans chaud. Ah bah ça lui va bien. Enfin non, en fait, ça va. Du coup, mon petit Alexis, tu vas manger un petit truc. Alors, Clémentine était enceinte, mais je ne sais plus de qui. Hein, parce qu'avec tous les mecs qui lui sont passés sous le corps, je ne sais plus. J'ai froid en fait. Voilà, je sais qu'on s'en fout, mais j'ai trop froid. Et je vais mettre tout de suite mon pull. Enfin, c'est un plaid, mais c'est pas grave. Et encore une fois, je ne parle pas fort parce que Ruru dort. Voilà, c'est passionnant, ma vie. Vous avez un gros plan sur mes boobs. C'est génial. Cet épisode s'appellera Les boobs de Loupi. Sera passionnant. Hop, voilà, comme une grand-mère dans mon plaid. Et ça c'est bien. Ça on aime. On aime. Hop, attendez, j'ai froid. Putain, il pèle sa race. Il pèle sa race. En Normandie. Je sais pas pourquoi la caméra a autant de ce côté là. Prout prout là. Voilà. Je préfère, ça me perturbe. Mais ils vont manger ou ils se touchent en fait? Parce que c'est une blague. Elle me saoule. Sims de merde. Allez, go Johnny. Voilà, prends ta portion. Je vais relooker tout ce petit monde après. Regardez, on est bientôt à 100 000 simflous, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Je pense que dès qu'on aura vendu les plantes du jardin, enfin quand elles auront repoussé, à mon avis. À mon avis, on y aura le droit aux 100 000. Hop. Du coup, Clémentine, après, tu iras dormir. Non, d'abord pipi. Et ensuite dodo. Et puis toi, mon petit, bah, t'iras aussi... T'iras dormir pour essayer de prendre un bon rythme, quand même. Ah, mais attends, parce qu'il a pas de lit encore. Il a pas de lit. Donc tu vas éviter de dormir dans le lit de ta grand-mère morte. Alors, bah, du coup, on va lui donner la chambre... la chambre de l'ancien. Le pauvre. Parce que j'ai la flemme de faire une autre chambre. Oh, puis si, allez. On va lui faire une autre chambre. Allez, hop. Du coup, quelle couleur on va le mettre? Ouais, comme ça. Hop. On duplique vite fait. Je me trompe de truc, c'est bien. Excusez-moi si j'ai pas l'air réveillée. Mais effectivement, je ne suis pas réveillée. Je ne suis pas du tout réveillée et voilà. Mais c'est pas du tout cette couleur que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. On va mettre ça. Non, je veux l'autre.
Ah non, celui-là, ça irait mieux du coup. Bah oui. Bah ouais. Voilà. Parce que autant Alexis Sims Prod, je pense que ça le dérangerait pas d'avoir une chambre rose. Autant Alexis Da Silva, si je lui mets une chambre rose, il va criser. Même si moi je m'en fous du rose, etc. Enfin, pour moi, c'est. Ça ne veut rien dire. Mais bon. Voilà, on va éviter de se fâcher avec les gens pour des bêtises. Ça là, je pense pas que vous entendez, mais si jamais vous entendez un bruit de fond, en fait, c'est un mec qui passe la débroussailleuse ou je sais pas quoi là. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'adore les papillons par contre, c'est trop beau. Il faut que j'en mette. C'est trop magnifique. On va peut-être lui mettre une horloge aussi. Ah, il n'y a pas juste des bleus. Mais c'est pas juste. Je vais bâiller. Oh, voilà, j'ai bâillé. Une horloge, ça pourrait être pas mal. Toutoudou, toutoudou. Oh là qui voilà, inspecteur gadget. Tatidatida, houhou. Au nom de la loi, moi je vous arrête. J'ai la flemme de décorer. En fait, je vous explique, je viens de passer plus d'une heure à faire une maison pour un, comment ça s'appelle? Un concours, entre guillemets, sur la chaîne de Miss Anew. Donc d'ici à ce que cette vidéo sorte, le concours sera fini. Bon, je pense que je suis hors sujet, mais c'est pas grave, je me suis bien éclatée. Bref, c'était pour Halloween. Et en fait, ben j'ai plus. J'ai tellement pas envie de décorer là, puisque je viens d'y passer déjà une heure et ça me saoule. Bon, voilà, hein. Désolée Alexis, ta chambre est pas tip-top caviar, mais j'ai la flemme. Attends, là, le mur est vide. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, ça. Et ben voilà, c'est parfait. Des robots pour les garçons, hein? Cliché, cliché. Ça me gratte. Ça me gratte. Le nez. Tidadidada. J'adore ce challenge. Alors, vous avez été plein à voter que vous vouliez que je continue à tout vous montrer. Donc, je vais tout vous montrer. Hop, du coup, je vais débarrasser ça. Oh, mais la pauvre Clémentine, elle est complètement triste, hein. En même temps, elle vient de perdre sa mère, donc c'est compréhensible. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est toujours pas couché, lui! Va te coucher! Oh! Sale gosse! Viens ici. Tu vas appeler SOS Tristesse, s'il te plaît. Ah bah non, en fait ça va mieux. Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Va te coucher, ma vieille. Elle est à combien de trimestres, au fait? Deuxième trimestre. Bon, on aura peut-être le bébé dans cet épisode. J'espère. J'espère. Bon, allez, hop, hop, hop. Donc, les cours commencent dans une heure. Oh, il est triste, Pichoun. Appel SOS Tristesse. Oh, il peut pas. Oh! Oh, il nous fait chier, hein. Sale gosse. Bah, va parler avec ta sœur, tiens. Va lui dire des choses. Voilà. Non, c'est pas si gênant. Toi, pendant ce temps-là, mon petit Alexis Bis. C'est bien parce qu'il y a deux Alexis dans la même maison, ça va être pratique. Mon petit Alexis, tu vas aller au cabinet et tu vas faire tes devoirs. Ah oui, attends, il faut que tu rejoignes le groupe. Ajoutez-le au groupe. Quoi, on peut pas? Vous n'avez pas l'autorisation. Oh! Bah, ajoute-le au groupe. Connaissance. Voilà. Hop.
Ah bah allez à l'école, hein, les gars. Plus vite que ça. Seb, va à l'école. Oh, mais regardez, non mais c'est n'importe quoi là. N'importe quoi. Ok. Un texto du fantôme de Clara. Tout va bien. Tout va bien. C'est génial. Alors, révisez assidûment. Révisez assidûment. Et toi, tu vas libérer l'esprit de ta maman. Oh, je suis une offrande de crâne en sucre. Pour voir ce que ça fait. Oh, c'est trop mignon. Et toi aussi, réviser assidûment, voilà, et libérer l'esprit. T'as besoin de divertissement, ma cocotte. Déjà, tu vas faire un pissou. Et niveau divertissement, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, bah déjà, tu vas t'occuper du jardin. Arroser et tout récolter. Et le petit. Le petit. Bah, le petit fait ses devoirs. Voilà, c'est bien. C'est bien, t'as fait tes devoirs. Voilà, hop. J'ai libéré son esprit. Et tu vas venir jouer à la poupée. Comme ça. Bon, par contre, le relooking, c'est pas ça. Je l'ai relook. La tenue, pardon. Je l'ai relookerai avant le prochain épisode. Voilà, comme ça. Bon, je pense qu'elle aura son bébé dans le prochain épisode. Par contre, je suis désolée. Bah oui, de triste. Bah oui. Ouais. À mon avis, elle l'aura dans le prochain épisode. Elle va grossir là, incessamment sous peu. 52 minutes. Mais attendez, je vais voir moi. Wow. Alors? Bah, elle a pas du tout pris de bide. On va peut-être en prendre après. Faut faire de l'insecticide, la cocotte. Ah, si c'est bon, elle en a pris. Elle en a grave pris. Alors, arroser avec ses larmes. Oh, c'est horrible. Pulvériser l'insecticide. Allez, go. Du coup, j'avais dit, on vendait ça. 1500, c'est dans la poche. Et voilà! Bon, on en est à 84 000, je me suis un petit peu emballée avec mes 100 000, moi. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Quand tu auras fini ma cocotte, tu iras manger un truc, hein, écoute. Toi aussi, tu iras manger un truc au bout d'un moment. Ce sera pas mal. Alors, niveau 2 en créativité, c'est parfait. Je crois qu'il nous faut 4 points. Ok, donc c'est bon, ils sont tous. Oh, cool! Elle va voir. Ah! Il va grandir, pardon. Pourquoi j'ai dit elle? C'est pas grave. Alexis va grandir! Oui! Et Kira va passer en moyenne A. C'est parfait, ça! C'est perfecto cabillo! Voilà, c'est bon, la jardinière s'en occupe, laisse tomber. Voilà, grave faim par contre. Le petit est toujours niveau 2. Tu retourneras jouer, Alexis, comme ça tu seras prêt pour aller niveau 3, pour passer en moyenne B. C'est tout un programme, hein. Moi je vous le dis. Hop, on va foutre ça dans la poubelle, comme ça on gagne des team flouze. Et ça c'est beau les mecs. Ça c'est beau. Alors du coup j'avais plein de papas. J'avais ma tant de papas à faire. Non. Non. J'ai copulé avec plein de papas, je sais plus à quel épisode là. Je les ai enchaînés, les pauvres. Donc du coup, je pense que le prochain ce sera Uvario. Je sais plus si c'est de lui quel enfant qu'elle porte, mais si c'est pas le cas, ce sera lui le prochain. Et sinon, ce sera Wolfgang, ensuite Michael et Alan. Je crois qu'on l'a déjà fait, tout ça on a déjà fait. Ouais. Donc voilà.
Ah, d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer des papas. Alors, vous pouvez faire en sorte qu'ils soient très moches ou très beaux. Faudra juste mettre un dans votre description dans pour la galerie. Faudra mettre un hashtag Papa Lupina. Voilà. Comme ça, je les retrouverai plus facilement. Ne mettez pas de contenu personnalisé parce que sinon ils vont être à poil, hein. Moi, je n'ai aucun contenu perso. Par contre, j'ai tous les add-ons, donc ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. De toute façon, je vous mettrai ça en description et en commentaire si je n'oublie pas. Parce qu'il est possible que j'oublie. Hein? Vu que je fais plusieurs épisodes à l'avance, etc. Donc, voilà. Si jamais j'ai oublié, mettez-le moi en commentaire. Dites Loupi, t'as oublié de dire l'hashtag. Grosse morue. Voilà. Bon. Après, les insultes ne sont pas obligatoires. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a combien, lui? Par contre, Clémentine, faut que tu te divertisses. Va pisser déjà. Ah, ça y est. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, faire pipi. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, je sais pas, tu vas jouer un jeu vidéo, j'en sais rien, moi. Hop. Ah! Ils sont tous rentrés. Alors attendez, parce que là, on a des choses à faire. Alors, Kira, tu vas venir ici. Alexis, tu vas venir ici. Et Seb, tu vas faire tes devoirs. Le pauvre mec, tu sais. Voilà, fais tes devoirs. Ça, on va vendre. On va sortir le gâteau. Et toi, tu vas ajouter des bougies d'anniversaire. Non, attendez, attendez, attendez. Je suis bête. Elle est en moyenne A, elle. Voilà, elle vient d'avoir moyenne A. Donc tu vas ajouter des bougies d'anniversaire, mais pour ton petit frère. On va se calmer là. J'allais la faire grandir, moi. Oui, bien sûr, Loupi. On va se calmer le cul, hein. Du coup, c'est toi, mon petit Alexis, qui va souffler les bougies parce que t'es bien en moyenne. Ah oui, c'est bon. Bah attendez. Si elle est en moyenne A, elle peut changer. J'ai un gros bug là, les gars. J'ai un bug dans ma tête. C'est ouf. Alors, Alexis Sims Pro de. Bah, c'est pas à moi de choisir. Hop, tu vas être ça. Donc, grande famille heureuse. Ok, et tu vas être ça. Génie. D'accord, si vous voulez. Bon, bah, du coup, tu vas aller faire un pipi. Et tu vas faire tes devoirs. Bah, non, mais en fait, c'est. C'est bon, Kira. Elle peut grandir, du coup. Bon, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de Sims, donc je vais peut-être la garder. Oh, puis non, allez. Hop. Enlever les bougies. Non, les enlève pas, je suis bête. Je suis bête. Bon, bah, les enlever. Célébrer. Allez, on souffle. Et hop là. Et voilà, elle est adulte, donc pour elle, c'est bon. Je vais la garder cet épisode-là. De toute façon, il reste plus grand-chose. Je vais la garder pour cet épisode et ensuite je l'enlèverai. Alors, on va mettre ça. Voilà. Perfectionniste, pourquoi pas. Youp! Le gâteau. Le gâteau dans le frigo. Oh, t'es sexy, Alexis! Je trouve qu'il est trop sexy. C'est bon, Seb, t'as fini? Bah, fais ton devoir supplémentaire alors. Eh, oh, mais c'est. Franchement, ça va trop vite, hein. Laisse tomber. Ok, donc, Clem, tu vas. Continuer de créer un virus. Et puis. Pirater. Ah, oh, il y a un nouveau truc. On va pirater tout ça là pour voir ce que ça fait. Hop! Et pirater un autre truc, le dernier truc, le truc de Don Lotario là. Hop là! Et voilà! Donc eux ils font leur devoir. Ah, il a déjà B! Oh, ça va aller vite hein. Ils vont vite dégager, je pense.
Regardez Seb, il est. Je pense que le prochain épisode, il devient adulte. Oh non, Seb, je t'adorais. En fait, on a plus vite des enfants adultes que les bébés naissent, en fait. Ah mon Dieu, ça va trop vite. Bon, après, on a plein de sous, donc il n'y a pas de souci. Ah, elle a créé son virus. Cool. Cool. Ah oui, donc elle est reine du groupe, elle. Du coup, elle va se casser du groupe. Comment elle se casse? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on l'enlève du groupe? Je sais plus. Créer un groupe, c'est pas ça que je veux qu'elle parte. Voilà. Hop. Elle n'a pas de groupe donc. Voilà. Bah tout se passe bien les gars. Ça va tranquillou-gilou. J'ai envie de dire. Voilà, bah Seb a fini son travail. Et on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!